de la Liga Santander, le Real Madrid contre le Deportivo Alavés. Comme toujours, on espère avoir un match palpitant. Oui, bien fait ça. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Belle passe en profondeur. Attention à cette occasion. Ah, bien joué, super barré. Ah, il est bien parti ce corner. Oh, dégagement, sans se poser de questions. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Et ce ballon est intercepté. L'équipe qui est sereine. Elle sait que son bilan à domicile est très bon. C'est même la meilleure équipe à domicile. Et quand on vient jouer ici, on sait que ça va être compliqué. Ouh, il était temps là. Il était temps. Le Real Madrid qui s'approche du but. Lukajovic. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Oh, quelle occasion, quelle occasion. On était tout près de l'ouverture du score. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Non, il n'y aura pas de carton. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Casemiro. Eduardo Camavinga. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Ouais, bien tiré ce corner. La reprise de la tête. Hors cadre. Un petit peu sous pression. Lukajovic. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Tout ça, il élimine bien son adversaire direct. Enfin, la puissance hein, qui fait le reste. Bon équilibre sur cette frappe. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Le ballon contré par le défenseur. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Eh non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Wayne Duarte.
Ouais, c'est peut-être un moindre mal de concéder la touche parce que l'équipe adverse était montée au pressing. Okajovic. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Kamavinga. Oh, le but! Ça fait 2 buts d'avance désormais pour le Real Madrid. Quelle facilité dans le maniement de ce ballon, personne n'a pu l'empêcher de marquer. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. La passe est mal assurée, c'est une interception. Casemiro qui perd finalement ce ballon. José Lu. Ouais, ça s'arrête là, bien joué. Touche pour le Real, dit l'arbitre. Jesús Valero pour Casemiro. Eder Militao. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. On entre dans la zone dangereuse. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Oui, magnifique cette passe. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Oh, la tête, magnifique, l'arrêt impeccable. Il fallait sortir le grand jeu sur cette tête. Centre de Gareth Bale. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Non, ça n'ira pas plus loin. Très bonne interception défensive. José Lu. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Centre contré par David Alaba. La passe est coupée, bien défendue. Le graphisme qu'il confirme, c'est bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Ouais, la tentative, c'est contré. Il contre à nouveau. Edgar Mendes. À la touche à venir après ce bon tacle. Il continue sa progression. Il est contré ce centre. Gareth Bale. Eduardo Camavinga. Ah oui, le bon ballon là. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Il est bien placé, il peut centrer. Non, elle est interceptée cette passe. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. L'entraîneur qui visiblement a demandé du pressing. Pire réponse. Mané Garcia. Casemiro qui vient au contact. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Mané Garcia. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. José Lu. Oh, il est passé. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner.
Ouais, bien tiré ce corner. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Et réponse. Nelly Garcia. Edgar Mendes. Oh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Et réponse. Edgar Mendes. Attention, faut pas laisser d'espace comme ça. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Et c'est capté sans problème. Récupération de Casemiro. Okajovic. Ah, il a le temps de centrer. Ça part au premier poteau. Et le centre bien négocié par le gardien. Rossellou. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ouais, la tête est sans danger. Hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Edgar Mendes. Et réponse. La Guardia. Nelly Garcia. Rossellou. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah, magnifique. Splendide. Splendide arrêt. Le danger est écarté. Ça s'est joué une fraction de seconde. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Corner qui ne m'a rien donné. C'est la mi-temps et on n'est pas tellement surpris de voir cette équipe mener. Les joueurs qui sont prêts, le coup d'envoi de la seconde période ici à Bernabéu. Rossellou. Nelly Garcia. Il avait vu venir. Et la voilà la frappe. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Ouais, le duel. Il avait tout compris, là, le défenseur, bien vu. La touche, le ballon a été dévié. Casemiro. Eduardo Camavinga. Bale qui continue. Bale qui centre. Et ce centre sans problème pour le gardien. Nous avons rendez-vous avec la Liga Santander pour cette rencontre. Le Real Madrid affrontera le Rayo Vallecano à l'extérieur. Ce sera une rencontre intéressante et importante pour les deux équipes. Peu d'espace par là.
Il est bien placé, il peut centrer. Ouais, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Attention à ce corner. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Edgar Mendes. Ouais, c'est joué par-dessus. Hors-jeu. L'arbitre qui n'a pas hésité. Ah, ça partait bien, hein, cette passe en profondeur. Elle était précise. Mais l'appel de balle était un petit peu précipité. Bon, ça, c'est bien joué dans la course. Pas de problème pour le gardien. On a du mal, hein, l'équipe locale, en ce qui concerne la possession du ballon. Ouais, quel but ! Magnifique ! Pas eu de contrôle, hein, vraiment, c'est parti d'un coup. Beaucoup de spontanéité dans ce geste. 3-0, ils prennent le large. C'est une perte de balle pour le Real. Casemiro. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Attention, faut pas laisser l'espace comme ça. Attention. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Mais non, 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 il n'y aura pas de danger. Manque de lucidité. Dans un angle aussi fermé, on a peu de chances de marquer. Petit rappel sur la rencontre alléchante qui nous attend tout à l'heure. Petit rappel sur votre écran, le match à ne pas rater. Oh, le super barré ! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Une action qui ne donne rien. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Ouais, dommage. La frappe qui a filé au-dessus. Manny Garcia. Oh, c'était important de faire ce tacle. Fernand Mendy. Un petit peu de maladresse de la part de Fernand Mendy. Oh, il est passé. Et le bon ballon Pajovic. Et elle est au fond. Voilà, ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Cette face qui a remporté. Grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Alors encore un but. Le score qui est déjà de 4-0. Un ballon qui est intercepté. Ouais, bien donné ce ballon. La belle frappe puissante mais qui passe au-dessus. Sur le bon touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ?
Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Lourdes Pérez. Repetimos. Lourdes Pérez. Eduardo Camavinga. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Il est en train de remonter le terrain. Allez, il est en bonne position là pour centrer. La bonne prise de balle. Il y avait du monde. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Allez, il peut faire un truc intéressant. Là, il y a du soutien. Oh, il a passé son adversaire direct. Passe bien coupée par Casemiro qui récupère. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Karim Bey qui repique au centre. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Et c'est sorti, ce sera à nouveau un corner. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Le corner, le ballon en pleine surface. Ah, un mauvais dégagement là, attention. La touche. Gareth Bale. La frappe, c'est au-dessus. Les statistiques nous confirment la nette domination de cette équipe en termes d'occasions créées. La défense adverse qui ne sait plus trop quoi faire pour repousser le danger. Rossello. Et réponse. Il a gagné son duel dans la surface. Ah non, ça passera pas. Le ballon va être perdu par Lukajovic. Bale. Gareth Bale. Et c'est récupéré. Oh, attention, il a déjà un carton. Voilà, passe complètement manquée, c'est cadeau. Et réponse. Et le dernier mot pour le gardien. Attention, il est tout seul. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Il va y avoir un remplacement. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Rossello. Saúl. Thomas Pina. Eder Militao est là pour intercepter. Il s'enfonce.
Et il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Ah, il est bien tiré le corner là. Le gardien qui repousse, attention. Ah, il dégage le ballon. Oh, et c'est bien taclé. Rossellou. Thomas Pina. Et réponse. Oh, il est passé. Oula, ça n'ira pas plus loin. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Dans la surface et il dégage. C'est une perte de balle pour le Real. Thomas Pina. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Mais non, cette action ne donnera rien. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Et le but du Real Madrid. On voit la contre-attaque qui amène ce but. Alors qu'il passe au premier poteau. Et le gardien qui est trop statique sur sa ligne. Qui ne peut pas intervenir. Le score qui est à présent de 5-0, 5-0, un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie. L'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match remporté par le... Okayovic.